Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est jeudi, il est 8h et quelques, Gaspard est en train de manger ses petits pancakes juste là. C'est bon mon cœur ? Ouais. Aujourd'hui, je vous prends avec moi pour un petit vlog au bureau. J'attends que Juliette m'envoie un message parce qu'elle a besoin que j'aille la chercher puisqu'elle récupère une voiture. Pattaya ! Je vais aller la chercher quelque part, elle avait besoin que je vienne la chercher. Vous l'entendez, ce petit loup se marrer. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale rangement du bureau. On a posé la journée entre guillemets, enfin, on a essayé d'écarter au maximum le planning pour pouvoir faire ça. Et je pense que ça va être intense. On est arrivé chez Action. Aïe. C'est la première fois que j'y vais, j'ai l'impression que je fais mon baptême. J'ai retrouvé mon petit Juju. Ce caddie va être rempli. Oups, sauce. On a trouvé ce qu'on cherchait quand même pour le bureau, des caisses. C'est ça en fait le problème. Ouais, le truc c'est que t'as une énorme poitrine donc on sait pas trop quoi regarder aussi. C'est filmé. 2020 on est sans filtre. Aïe. Et ça t'as vu ou pas? Olé. Si tu veux mettre un moins de 18. Ça a pété comme du popcorn. Elle se drague, hein. Elle se drague là. À une oreille, j'entends que ça. C'est une technique de drague. Ouais, c'est ça. En fait, elles font un club pour s'entraîner. On a beaucoup de sex appeal. Et bientôt, on lancera une application. Bon, mission du rangement, commencer. Regardez-moi ça. Ça part de là. Ça va jusqu'ici. Bon, ici, ça va. Il reste pas grand-chose. On avait déjà commencé. Et le pire, c'est cette pièce. Vraiment. Genre, c'est... Ouf. Il y en a partout. Partout. Écoutez, on les a trois. Enfin, je veux dire que Harpe, Juliette égale la merde. Hein. Mais en vrai, ils sont pas morts. De quoi tu me parles? Ils sont en train de moisir. Mais chat, c'est le terreau qui moisit. C'est l'atmosphère de ce bureau, tu vois. Maintenant, c'est très feng shui maintenant. Je sens qu'ils vont prendre leurs aises. Pourquoi aussi ils sont tous au milieu alors qu'il y a de la place partout? Ben mort. Non, mais enfin, il y a un truc qui va pas. Enfin, oui, c'est trop imbibé d'eau. Oh, vous savez, non, c'est pas enfants, toujours facile. Hein. Mais non, mais ça, stop. Faut faire. Il faut se soulever. On va se taper la tête. Attends. Qui? Attends, il faut se coordonner. D'abord moi, après Léa, après toi. Mais parce qu'on avait balisé le truc pour le food truck. Te baliser moi, tu vois. Ça va être vite vu. Ah, ça te va bien. Ça me donne le tournis. Bon, on continue notre mission expédition rangement. On va louer un utilitaire pour que Juliette puisse embarquer tout ce qu'il y a embarqué, parce qu'on va pas tout jeter, hein, évidemment. Donc il y a plein de choses qu'elle va donner, vendre, etc. Donc heureusement, en face du bureau, il y a un truc d'utilitaire. Apparemment, ça va être un 10 mètres cubes. Elle va se retrouver avec un camion. À rien comprendre. Voilà la bête. Papito! Alors chat, il sent comment? On va prendre les bouchons pour les chaussures. Aïe. Je vais mettre ma ceinture. Ceinture de sécurité. Bon, ça y est, je suis de retour à la maison et je voulais vous montrer ce que j'avais chopé chez Action du coup, puisqu'il y avait beaucoup de choses pour le bureau, hein, notamment des boîtes de rangement, c'est pour ça qu'on y allait, des éponges, des trucs de ménage, mais j'ai chopé quelques trucs pour moi que je voulais. Je me passionne pour les vidéos All Action et les vidéos de rangement. Et chez Action, il y a beaucoup de trucs pour ranger, donc j'ai déjà repéré pas mal de trucs pour la nouvelle maison en termes de rangement, d'agencement, donc ça c'est trop cool. Mais j'ai pas encore pris parce qu'on déménage pas avant quelques mois. Donc j'ai pris ces Beauty Blenders, c'est une grosse boîte de 18. J'ai testé les oranges et franchement, ils sont pas mal, ils ont l'air pas mal, donc à voir. Le prix était vraiment dérisoire. J'ai pris des culs de poule comme ça en inox, c'est Samuel qui en avait besoin. J'ai pris la version petite et la version grande sur laquelle vous êtes actuellement posé. J'en cherchais depuis longtemps, j'ai trouvé des balles, vous savez, que vous mettez dans le sèche-linge pour réduire le temps de séchage. Mais c'est pas des jeux, mon cœur, c'est pour le sèche-linge. Je peux t'en prêter une si tu veux. Et ça permet aussi d'éviter que le linge se froisse trop vite.
J'ai repris un porte-sopalin parce que Samuel a cassé le nôtre. On en avait un super joli qui était fait par une petite créatrice en bois et tout. Et il l'a pété. Donc, bah écoutez, j'ai repris ça parce que voilà, il en fallait un de façon rapide. J'ai pris des activités pour Gaspard pour la période de Pâques. Donc, j'ai pris de quoi décorer des petits œufs. Ça a l'air trop trop bien. J'ai pris aussi un petit set comme ça en mousse avec des autocollants. J'ai trouvé de la purée de noix. Il y a plein de choses dedans, noix de cajou, amandes. Voilà. Tu voudras goûter ? On goûtera après, mon cœur. Je finis et ensuite on va goûter. J'ai repris des cacahuètes non salées parce que j'aime bien pour faire notre beurre de cacahuètes. J'ai pris plein de trucs comme ça qui avaient l'air hyper bons. C'est des noix enrobées de chocolat. La dernière chose que j'ai prise, c'est cette petite gamme de nettoyants. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est à 98% d'origine naturelle. J'ai pris la version salle de bain, la version cuisine et la version toute surface. C'était ce petit haul. Je vais aller m'occuper de mon petit loup. Il y a son papa qui est parti au rugby. On va aller s'habiller et on va aller manger. Bon, Gaspard joue dans sa chambre le temps que je finisse de préparer le repas. Enfin, Samuel avait déjà tout fait. Hein. Voilà, c'est un homme parfait. Il nous a fait des lasagnes aux légumes. En plus, elles ont l'air tellement bonnes. Regardez-moi ça, comme ça a l'air bon. Je vous ai pas fait de point sur le rangement du bureau, mais on a bien avancé. Le camion qu'on a loué était plein à craquer. Donc, on va passer à la déchetterie pour tout ce qui est voilà, carton à recycler, etc. Et puis, pour tout ce qui est à donner, Juliette va s'en charger. Donc, on s'est réparti. Voilà, le travail comme ça. Vous allez vous dire pourquoi elle a acheté un porte-sopalin, il est vide. C'est parce qu'en fait, on a du sopalin, vous savez, en tissu, celui qu'on vend sur Cracotte et Pyjama. D'ailleurs, il revient bientôt en stock. Il y a une nouvelle collection qui arrive bientôt. Et il est à laver, donc en attendant, voilà, il trône là seul. Bref, donc on continue demain le rangement. De toute façon, je pense que je vloguerai là sur deux jours. Hein. Vous avez l'air d'aimer ça quand je vlog sur deux jours. C'est vrai que c'est plus intéressant, entre guillemets, parce que je peux sélectionner davantage le contenu. On va enfin visiter des bureaux demain. Donc, croisez les doigts pour qu'on trouve. Je vous reprends le lendemain. Je suis en voiture avec ma petite Claire et on va visiter des bureaux. On ne sait pas combien, comment, quand, où, mais voilà, on va en visiter. On a aussi à gérer le camion qui est plein et Juliette qui est partie. Donc on va faire ça toutes les deux avec nos petits bras. On va s'en sortir, on a déjà fait pire. On a déjà fait pire. Voilà, et croisez les doigts pour que ces bureaux soient bien. On vient d'arriver sur le premier lieu de visite. Ce serait, s'il est bien, franchement, ce serait parfait parce que c'est à équidistance entre chez Claire et chez moi. Alors pile 20 minutes toutes les deux. Donc ce serait parfait. Pas de jaloux. Ah oui, il n'y a pas de rétro. Arrière. Pour faire ma marche arrière. Oh, calme-toi. C'est une truc. Ah oui, mais. Attends, d'où Juju, elle est plus grande que moi. Bon, ça y est, on a visité les premiers et derniers bureaux, du coup. On avait prévu pas mal de visites et en fait, les premiers nous conviennent parfaitement. Enfin, genre, ils répondent à tous nos critères, donc pourquoi perdre du temps à aller en visiter d'autres. Attendez, je remets ma ceinture bien. Sinon, la police de YouTube va encore frapper. Du coup, voilà, ça nous convient parfaitement. Donc, on a déposé un dossier. Bon, normalement, ça devrait passer vu que c'est des bureaux qui sont moins chers que là où on est actuellement. Et on croise les doigts pour qu'il y ait un repreneur pour nos bureaux, puisque c'est ça qu'on cherche, un successeur. Donc, si jamais la personne qui est intéressée est finalement pas intéressée, je vous mettrai en barre d'infos un lien vers l'annonce de nos bureaux. Si jamais vous êtes une société sérieuse, hein, solvable, qui peut voilà, gérer des locaux au millénaire, donc avec un certain loyer forcément, et que ça vous intéresse de reprendre les bureaux le plus rapidement possible. Voilà, on sait jamais, je vous mettrai le contact de l'agent immobilier qui s'en occupe. Mais là, du coup, on a récupéré le camion. Comme vous le voyez, la petite Cléo, elle conduit le camion. Ça, c'est facile à conduire ou pas? Ouais, franchement ça va, honnêtement je suis quand je vois entre Nana tout ce qu'on arrive à faire par nous mêmes ouais, girl power, qui peut nous tester, nous? C'est clair, qui franchement peut nous tester, qui peut nous stopper? A-t-il quelque chose de meilleur dans la vie que le compter? Je ne crois pas. Parce que le compter, on l'aime sans compter. Bon, du coup, hier, j'ai oublié de finir le vlog. Et d'ailleurs, j'ai réenchaîné sur un autre vlog. Donc, normalement, vous aurez un vlog demain aussi. J'ai fini le montage et je me suis aperçue que j'avais pas fini ce vlog. Je vous ai pris vraiment les petits moments voilà, de nos journées bien chargées. On a dit que 2020, c'était sans fil. Donc, voilà, je vous montre un petit peu l'ambiance au bureau. Et vous pouvez voir qu'on ne s'ennuie pas. Je vous montrerai la semaine prochaine. Enfin, quoique, j'ai pas mal de déplacements sur Paris la semaine prochaine. Mais peut-être en fin de semaine, si j'y arrive, le résultat du bureau rangé. Et puis, moi, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Ciao ciao!